Bonjour mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui on va s'ouvrir l'avant-dernière case du calendrier, le 23 décembre. Voilà, on arrive à la fin. C'est notre dernier, l'avant-dernier jour que je vous reprends ici. J'espère que les 24, enfin le 23 jusqu'au partir de janvier vous a plu. Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça m'aide que les vidéos montent pour que tout le monde les voie. Voilà. Et du coup, on va s'ouvrir la case 23 du calendrier de l'Avent. Du coup, on va commencer tout de suite avec le petit Jack. Voilà, j'en ai vu. La case 23, elle est ici. Je vois la case 24 qui va me tenter. Ce sera pour demain. Allez, c'est parti. Hop. C'est un Jack, enfin un 0. Mais on en a déjà eu 2 de 0. Il y a un problème dans le. Je vais tomber. Oh, c'est pas possible. Les deux mains gauches. Voilà le petit 0. Pour moi, on l'a déjà eu plusieurs fois. Un peu, peu déçu. Voilà. On l'a eu pailleté et on l'a eu normal. Ah, il y a peut-être le nez orange ici, le nez normal. Ouais. Ouais. C'est pas le top. Allez, on va se faire le calendrier Yves Rocher, la case 23, je ne sais plus où j'en suis. La 23, c'est celle-ci. Elle est un peu plus longue. Je sais pas pourquoi, il dirait qu'il manque une. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette case 23? Hop. Je sais pas, c'est une petite boîte. Voilà, ça se trouve comme ceci le packaging. Hop. Eau de parfum. Sur la langue. L'onde. On va quand même regarder. C'est une belle bouteille, il n'y a rien marqué dessus. Voilà. Mais rien du tout. Ah si, là il y a marqué. On voit pas bien. Sur la langue. Langue. Voilà, et du coup. Je sais pas si ça a divisé. Est-ce que ça a divisé à tirer? Ah, ça a retiré. Ils sont bons. Mais je suis pas sûre de remettre. Là, il doit avoir un truc. Je crois qu'il doit avoir un pouce-pouce. Je sais pas. Ouais, je crois qu'il doit avoir un. Je vais en mettre partout. Dans mes nez. Mes mains, on va pas trop jouer avec, parce que même dans les minages, je sais pas si vous voulez voir, mais là j'ai une trace super quoi. Ils sont bons, je peux pas lire, j'en ai même sur mon PC. Ça commence bien, là c'est pas en français. Plongé dans la lande protonne, infusé, inspiré d'une concentrée de caratine. Et de féminité. Ouais, on verra ça. Mais ils sont bons. Ils ont bonne odeur. Et du coup, on va ouvrir les autres. Le. Je vais pas venir. Pokémon. La case 23, elle est ici. C'est le QQ de Pikachu. Je commence à casser. Ah, c'est du chéri. C'est qui ce? Un truc orange, rose. Oh oui, vraiment, la couleur n'est pas du tout au jour. C'est Mimitos. Mais la couleur, elle n'est pas top top. C'est un rose clair. Franchement, je vais faire un lot à vente. Pour les enfants, je pense. Voilà, je suis pas. Togunier, on va faire le deuxième. Mais tantôt, c'était Pikachu aussi. Ouais, c'était Pikachu. Ben là, on va aussi attaquer Pikachu. Là, des lignes de Pikachu et un petit peu de rondoudou. Aujourd'hui, c'est des machins roses. Et en plus, ça casse, ouvre pas. Lui, je le connais pas. Derrière. C'est qui lui?
Franchement, j'ai aucune idée. Là, je... Franchement, là, j'ai... Je sèche. Je le montrerai à monsieur. Après. Là, je sèche. En plus, il est abîmé. Voilà. Je sais pas, du coup, je sèche. Allez, c'est parti. On va faire... Du coup, la case 23, elle est ici. Il a essayé de partir, regardez, il y a un trou là. Le personnage a essayé de partir, on va l'ouvrir de là. C'est fini. Quelqu'un en Père Noël. Oh, c'est Dingo. Bon, on l'a déjà eu, Dingo. Avec ses... C'est Dingo ou c'est... Non, Dingo. Faut que je réfléchisse. Un Dingo est plutôt... Plutôt, c'est le chien. Toujours... Il est trop beau en Noël. Il est beau, j'aime beaucoup. C'est comme le... Ils sont beaux, j'aime bien. Du coup, voilà, on va faire le dernier Harry Potter. Le Harry Potter. La case 23, elle est là. Je sais pas si vous voyez. Je l'ouvre direct. J'essaie de pas sommer mon chien. C'est un personnage. Moi, j'aurais bien voulu des plus d'animaux, mais c'est Hermione. Mais elle aussi, on l'a déjà eue. Et elle se barre. Ah, elle fait un tour de magie. Là, avec la plume. Ça a l'air très fragile, par contre. Vous voyez, c'est fort fragile. Je sais plus le nom du sort, mais elle fait le sort avec la plume. Voilà. Pourquoi pas, mais... Pourquoi n'a-t-il pas des animaux? Il y a plein d'animaux dans les Harry Potter qui pourraient être chouettes aussi. À voir. Ben non. Je pense qu'on a ouvert tous les calendriers de l'avant. Voilà. Bon, j'aime bien mon petit Pluto. Ouais. Mon petit parfum. Il sent vraiment bon. Mais voilà. Voilà pour ça. Dites-moi en commentaire lequel vous aurez préféré dans cette ouverture. Sur ce, moi, je vous dis à demain pour la dernière case du calendrier. Et je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve demain. Bisous, bisous.